Dans sa série des sorties amicales avec les équipes zambiennes, le tout-puissant Mazembe Englebert s'est frotté à Tchanga Rangers ce jeudi 14 février. Score final, 1-0 pour l'équipe locale. Et pourtant, ce seront les visiteurs qui vont vite se procurer la première occasion avec Alexis Ngonga sur le bal arrêté. Son tir rase la barre transversale. 18e minute, sous un effort de Buana Ali Samata, l'avant-centre est transfuge d'Elmerir du Soudan, le Zambien Jonas Sakwara, lobe le portier Radson Muchelinga, mais le ballon va finir sa course vers le montant. Et dans la continuité d'action, les Zambiens conduits par l'ancien international Faxton Simukonda répondent avec le même Alexis Ngonga et ce sont les Kobos qui vont véritablement se rapprocher de l'objectif vers le deuxième quart d'heure. Le coup franc du milieu ghanéen Awako trouve le montant. Sous ce même tempo, les teams noirs et blancs percent. 32e minute, c'est la récompense. Buana Ali Samata chip un ballon au défenseur de Tchanga. Il dribble, il croise son tir et c'est l'ouverture du score. Un but à zéro, résultat à la pause. Au retour, les deux bancs vont opérer des changements et sur terrain, les deux équipes se neutralisent en dépit de quelques belles actions chaudes avec Cissé côté Mazembe et Simon Collé pour Tchanga Rangers. Et le résultat sera 1-0. Le mélange entre nouvelles recrues et anciennes ossatures se poursuit et parallèlement à ces chantiers, le stade TP Mazembe aussi continue sur sa dynamique de modernité. Avec désormais la lumière qui est une réalité, d'où les rencontres nocturnes seront donc possibles dans ces temples de football.